Bien, salut tout le monde. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour un peu pour vous demander pardon parce que je me suis rendu compte grâce à Jessica 01 que le son de mes vidéos était très très bas. Et maintenant je sais pourquoi est-ce qu'il est bas, c'est tout simplement parce que en enregistrant mes vidéos, mes enceintes étaient branchées, ce qui fait que quand moi je réécoutais les vidéos, j'avais l'impression que le son était hyper fort. Et même j'avais tendance à baisser le son et pourtant avec un ordinateur tout simple, vous aurez probablement du mal à m'entendre. Donc je vous fais mes plus plates excuses, je suis vraiment 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 désolée de ne me rendre compte de ça que maintenant. Et malheureusement comme j'ai enregistré toutes mes vidéos sur ce format-là, bah je peux plus rien y changer. Voilà. Ce que je vous disais dans la précédente vidéo, donc celle dans laquelle on n'entend vraiment vraiment rien du tout, c'est que voilà, je m'étais lissé les cheveux. Voilà, je ne me suis pas défrisé les cheveux, je les ai lissés à, en tout cas pas chimiquement parlant bien sûr, je me suis lissé les cheveux avec un lisseur avec des plaques en céramique, un lisseur de Babyliss qui chauffe vraiment énormément parce qu'il peut monter jusqu'à 230 degrés. C'est pour ça que mes cheveux qui sont totalement naturels et crépus là en ce moment sont bien bien lisses. J'ai demandé à une copine de me les lisser, donc y a pas, enfin j'ai pas eu à le faire toute seule. D'habitude je le fais toute seule mais là j'avais pas envie et en plus elle était là, donc voilà quoi. Sinon, quoi de neuf? Ah oui, je me suis fait une couleur aussi, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Donc une couleur avec le Dark and Lovely Golden Bronze, je crois. Je voulais quelque chose qui changeait vraiment et qui aurait fait très 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 flashy pour l'été et tout. Mais au final, j'ai opté pour une espèce de blond assez sombre. Et j'aime pas trop, enfin pas, j'aime bien le résultat, mais je trouve que c'est pas assez flash, justement, ça ne change pas assez. À part là sur les côtés où on peut voir un peu, enfin la couleur et tout. Il faut vraiment me voir à la lumière du jour pour voir que mes cheveux ont changé de couleur, sinon vous ne vous en rendez même pas compte. Donc ce qui fait que l'été prochain, parce que je me fais une coloration par an maximum, l'été prochain je serai probablement rouquine ou alors blond platine, enfin voilà, parce que moi j'aime bien changer de tête, mais alors là quand je parle de changement, c'est un changement radical quoi. Et qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Bah rien de spécial, il fait ultra chaud. J'ai commencé à travailler parce qu'il faut bien que je finance mes multiples dépenses en matière de chaussures. Qui soit dit en passant, je précise, les chaussures c'est mon dada. J'ai commencé à travailler lundi, je meurs de chaud à chaque fois que je vais au travail, je sais pas quoi mettre pour la simple et bonne raison que je ne vais pas aller au travail en short ou en tongs ou des trucs comme ça. Je pourrais hein, mais on va dire que mes shorts n'ont pas la longueur réglementaire pour aller bosser. Donc il faudrait que je pense à m'acheter des fringues décentes. Quoi d'autre? Ah oui, ma copine Elena a décidé de se recouper les cheveux et de repasser au naturel. C'est une fille qui a gardé ses cheveux naturels pendant tellement longtemps, jusqu'à ses 17 ans. Alors que moi, par exemple, j'avais commencé à me défriser les cheveux alors que j'avais 11 ans. Et je l'ai connue, elle avait les cheveux naturels. Pendant 3 ans, elle les a gardés parce qu'on s'est connus au lycée. Et là, elle s'est défrisée il y a quelques années. Elle a gardé son défrisage même pas 6 mois. Elle avait recoupé tous ses cheveux pour repasser naturel et ensuite elle avait refait un défrisage. Et cette fois-ci, elle en a tout simplement marre. Donc on frappe à ma porte, donc je vais vous laisser. Bisous!